La méditation de ce 15 avril est intitulée « Un caractère que le monde reconnaît ». Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 15. Dieu s'est donné pour but de faire connaître les principes de son royaume par l'intermédiaire de ses enfants, afin que ceux-ci puissent les manifester dans leur vie et dans leur caractère. Il désire les tenir à l'écart des us et coutumes du monde, en contemplant la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu révélés dans son Église. Le monde doit avoir une représentation de son caractère. Quand la loi de Dieu sera ainsi reproduite dans la vie, le monde lui-même reconnaîtra la supériorité de ceux qui aiment, craignent et servent Dieu plus que n'importe quel autre peuple dans le monde. Les adventistes du septième jour, plus que tous les peuples, doivent être des modèles de piété, de sainteté dans leur cœur et leur conversation. Les vérités les plus solennelles qui ont été données aux mortels leur ont été confiées. Toute dotation de grâce, de pouvoir et d'efficacité a été donnée. Ils attendent le proche retour du Christ sur les nuées des cieux. À cause de la puissance croissante des tentations de Satan, les temps dans lesquels nous vivons sont pleins de dangers pour les enfants de Dieu, et nous avons besoin d'apprendre constamment du grand maître afin que nous puissions avancer en toute sécurité et en toute justice. Des scènes merveilleuses nous attendent. Aujourd'hui, un témoignage vivant doit être rendu par la vie du peuple de Dieu afin que le monde puisse voir qu'en ce temps où le mal règne partout, il y a encore des gens qui renoncent à leur propre volonté pour rechercher celle de Dieu. Des gens dont le cœur et la vie portent l'empreinte de la loi divine. Leurs pensées doivent être pures, leurs paroles nobles et élevées. La religion du Christ doit être intimement mêlée à tout ce qu'ils font et disent. Ils doivent être un peuple sanctifié, purifié, saint, qui communique la lumière à tous ceux qu'ils rencontrent. Dieu désire qu'ils démontrent dans leur existence la supériorité de la vie chrétienne sur la vie du monde et qu'ils prouvent qu'ils sont animés par un idéal sublime.